Genèse, chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ? » Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui. Et Ésaü accepta. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël.